de météo. Ça va, sano, ça va piano. Ouais. C'est assez joli, mais on s'attardera plus tard une autre fois. On voulait juste s'arrêter au Maddalena et puis bon bah... Du coup, on va pas avoir l'occasion de le faire pour cette année. Nous attendons d'être dégagés des récifs et tout ça pour pouvoir se mettre face au vent et pouvoir prendre notre cap ensuite, monter la voile et prendre notre cap. De toute façon, on a du vent, c'est clair. Donc on va sortir Harry d'entrée de jeu. Ça moutonne, il prévoit 15-20 nœuds. Bon, on verra bien. Auprès, évidemment. Allez, destination Sud-Corse. Sous un riz grand voile et un riz génois. Derrière, l'orage montait. Voilà, 6 nœuds dans une mer dégueulasse. Qu'on est. Hop, on est là. Putain, on vient de partir. Ça fait 21 minutes qu'on est parti. On laisse l'orage derrière nous. Voilà, tâche les éclairs là-bas. Alors là, on s'est tapé à partir d'ici du moteur. Jusque là. Là, le vent tout d'un coup, pouf! Plus rien. À bâbord, nous avons la Maddalena. Alors là, nous sommes passés par l'extérieur cette fois-ci. Hier, nous sommes passés par l'intérieur. Je ne recommande absolument pas ce passage là qui est un bazar pas possible, comme je le disais. C'est pour ça que nous avons décidé. Alors il y avait un gros orage ici là, on a tracé, mais énorme hein. Et là il a complètement disparu. Il est 18h. Et ben on veut atteindre, on aimerait atteindre cette zone là pour ce soir. Alors faire du zigzag là-dedans de nuit, ça m'amuse pas trop, mais bon, on va faire confiance à la cartographie et on va y aller sano sano, ou alors ici. Peut-être que ça sera ça, ça sera sur la Vezzi. Ça sera plus sérieux. Bah, on verra hein. Oui, ça sera peut-être pas mal la Vezzi ici. Bon, allez, on va viser ça. Ça dépend de ça. On avance quand même à 5-2. Quoi? On avance à 5-2 le bateau, hein, la voile. Et on a 4-4. C'est-à-dire? Pas des îles à Bah si le vent veut bien nous y emmener. Ouais. Allez, ça paraît pas impossible. Un vol d'oiseau, on est à 12 nautiques. De nuit On a déjà fait hein. Bien sûr, on a déjà fait. Ah oui, il y en a qui sont pas éclairés, qui mettent pas leur feu de mouillage. Ça c'est pas cool. On y va à la torche hein. Maddalena sur notre arrière bâbord. On rentre dans les bouches de Bonifacio. Le vent est de nord-est et on va se mettre au sud des îles La Vezzi. Bien là, je sais pas, mais là
ça dépend de l'heure à laquelle on arrive, parce que c'est un peu mal pavé quand même. Là, on est plus tranquille sur l'approche. Ça dépend du monde qu'il y a là-dedans. Allez, 20h56, c'est l'heure estimée d'arrivée. 55 minutes. Coucher de soleil en approche sur les Lavezzi. À 183 mètres devant nous dans une minute. Donnez AIS. Ah, l'arrivée se précise, le phare clignote. Ce matin aux îles Lavezzi, tout se passe très très bien dans la cabane à chatons. Bonjour. Nous n'avons pas pu vous faire voir l'arrivée sur les Lavezzi hier au soir car la nuit tombait et la luminosité ne nous a pas permis de faire des images. En revanche, voici ce matin le lieu. Nous nous sommes mis au fond, à l'intérieur des bouées jaunes. Alors quand on est arrivé hier au soir, non, c'était pas mis dans les bouées jaunes. On s'était mis juste à cul de celle-ci là. Et ce matin, bah, les gardes de Lavezzi là, ils sont venus nous dire bah non, il faut vous mettre à l'intérieur des quatre, enfin des bouées jaunes qui existent. Il y en a une là. Donc il y en a une là. Il y en a une que l'on voit pas, qui doit être cachée par un bateau par ici. Et il y en a une là-bas. Donc il faut se mettre dans ce rectangle là. Sinon. Ils vous disent, ben vous vous poussez, s'il n'y a pas de place, ben vous allez plus loin. Voilà. Donc nous avons déplacé le bateau ce matin. Je pense qu'il y a un bateau qui a dû partir et nous avons pu avancer dans le fond de la baie. Ce que l'on souhaitait faire hier au soir, mais compte tenu de la luminosité et tout ça, on a préféré planter là-bas à 10 mètres. Et là, on est à... Je ne sais pas combien on est exactement là. Pas très creux. On est à 4-5 mètres à tout casser. En tout cas, l'eau est superbe. Nous allons aller faire plouf. Alors de cette petite place là des Lavezzi, nous avons en arrière-plan là toute la Sardaigne. Et en plus aujourd'hui on a de la chance, c'est assez lumineux, assez clair, pas trop brumeux. Un petit monument là sur, sur le rocher. Je sais pas ce que c'est. Ça représente un clocher sur un petit fort. Il est arrivé, il s'est mis au pied de la bouée. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, je te dis, bah, quand tu connais ici, tu aller très au fond de la calanque. Bah, par contre, faut pas que le vent tourne là où il est. Non. Parce que sinon, il va le cul dans les rochers. Enfin, s'il reste que la journée, le vent va rester comme ça aujourd'hui, donc ça va. Mais si le vent tourne, il est mal quand même, là, il est un peu trop près. On est côté comme on l'avait dit. Sémillante était une frégate impériale de premier rang, de la classe surveillante, appartenant à la marine de guerre française, construite à l'arsenal de l'Orient en 1841. Le 14 février 1855 à 11h, elle part de Toulon, alors qu'une forte brise balayait la rade, laissant présager des conditions météorologiques très rudes. La frégate impériale de premier rang Sémillante quittait le port en direction de la Crimée pour apporter aux forces des armées turques
anglaise et piémontaise contre les Russes, des vivres et des renforts en troupes et en matériel. Son équipage était de 293 hommes, commandés par le capitaine Jugan. Ce jour-là, soufflait dans le détroit, dès les premières heures du jour, une tempête d'une rare violence. À 12 heures ce 15 février 1855, poussé par la tempête, la Sémillan qui remontait trop au nord alla se fracasser sur l'îlot de La Ciarino, à une vitesse estimée à peu près de 12 nœuds. Le choc fut terrible, avec à son bord près de 700 personnes. Une pyramide a été érigée sur les lieux mêmes du naufrage en 1856. Il s'agit d'un ouvrage en granit de 10 mètres de haut, posé sur un socle cubique également en granit. À l'abri des cours. Pas bien là, on fait comment ? Regarde, il y a plein de poissons là. Oh la vache, j'ai une espèce de parasite accroché à ma jambe, je te dis pas. Il va falloir que je détermine ce que c'est. Alors, maquereau, salade, sauce estebèche, tomate. Pas de jaloux, on a les deux, hein. Alors, c'est un endroit merveilleux. Chin chin. C'est un endroit merveilleux. Faudrait en enlever pas en mal. Juillet, août. Extrêmement fréquenté. Surchargé, oui, on peut le dire. Heureusement, ce matin, on s'est fait virer de là-bas, gentiment, à 8 heures, pour que l'on se mette à l'intérieur des bouées jaunes, qui étaient déjà fort complètes. Mais à quoi ça sert? Puisque tout le monde, à 14 heures, 13 heures, 12 heures, même 11 heures du matin, avait envahi l'extérieur des bouées jaunes. Donc voilà, réflexion. Ceci dit, nous sommes mieux là où nous sommes que si on était là-bas au fond. Allez, on file dans la calanque d'à côté pour voir. C'est dommage, il y a un monde fou quoi. Où est-ce que je t'ai dit qu'il y avait des... Trois mâts qui sont en train de passer là. Deux petits cimetières. Toum, toum, toum. Ça a été la grosse pagaille il y a une demi-heure de ça. Ils sont arrivés vers 16h30, les gardes
des gardes des îles Lavezzi, et ils ont viré tous ceux qui étaient en dehors des bouées jaunes, des grosses bouées jaunes ici. Alors il faut être dans les bouées jaunes, ça fait une espèce de rectangle bizarre. Et tous ceux qui étaient à l'extérieur, chut, raoust. Donc ceux qui voulaient rester, ben ça a été la grosse pagaille. On a voulu se mettre ici, entre nous deux, enfin bon bref. Et puis la règle des évitements étant, tout le monde a repris les places qui étaient possibles de prendre. Et les autres, ben, sont partis, hein. Oui, parce que c'était pas possible, hein. C'est joli ici, hein. À faire absolument, hein. Même si c'est difficile d'arriver à se placer. Nous, on est arrivé hier au soir, donc on s'est mis un peu en dehors des bruits, on savait pas. Mais ce matin à 8h, c'était au chant du coq. Pouet, pouet. Ah non, faut pas rester là, faut vous mettre à l'intérieur des bouées. Ah oui, d'accord. Bien, donc comme c'était le matin de bonne heure, eh ben il y avait de la place. Parce qu'il y en a qui étaient partis. Nous sommes venus nous mettre ici. Eh bien, nous en a pris. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était où on venait ici, où on dégageait. T'as pas rencontré de grand blanc? Vous dites? T'as vu des poissons? Oui. J'ai vu plein. Alors, je sais pas comment on appelle ça, des sols, des plis, des limandes. Ouais. À plat par terre, ouais. Avec l'œil en haut. Oui, oui, oui. Mais là, il y avait le catamaran, j'ai entendu, il nous disait attention. Bon, ça va. Allez, cherche une place, mais n'en trouve pas. Pas de requin. Mais ça va, les fonds sont tellement clairs que je me sens rassurée. Yes. Alors, ça fait du bien. Oh, c'est excellent. Elle est bonne, elle est à 28 degrés. 29, 28,5. Oh, je sais plus. Oh, elle a perdu 2 degrés, mais elle est fraîche, elle est bien. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Et je viens d'en 28 remettre, degrés, hein. Je viens de remettre là, le poisson dans l'eau. Ah oui. Fini le baigne pour ce soir. Pour ce soir, il arrive dans ce même pas. Oh, elle est excellente. Et c'est bon, ça fait du bien, ça ravigote. Le soleil baisse sur l'horizon. On l'avait dit. Gros coup de cœur pour le Lavezzi. Ouais, l'île Lavezzi. Bon, allez, petit déjeuner, il est prêt. Catherine est allée courir à terre. Donc, je prends Cathy Mini et je vais la chercher au débarcadère. Allez, Cathy Mini, amène ta fraise. Qu'on aille chercher madame. Allez, broum ou pas broum? Alors, le petit débarcadère, je vais chercher Cat, il est là. Tu m'étonnes.